Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour la suite de mes fonds de cartes que j'ai fait avec vous. Vous hein, voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, il y a peut-être 2 semaines ou 10 jours, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait des fonds de cartes. Donc voilà, c'est pour faire des cartes et me voilà. Donc j'ai préparé ça, j'ai pris mes fonds de cartes, je les ai découpés, j'ai pris des bases de cartes. Alors ça, je les ai faites avec du papier texturé format A5 hein, que j'ai pris chez Action. Voilà. Tout simplement, j'ai découpé mes fonds de cartes comme ça et j'ai sorti des petits tampons. Voilà. Oui, pardon, j'assemble dans ma tête avant de vous parler. Donc, hop, c'est parti. Je vais reprendre. Alors, j'avais acheté ces grands pochoirs. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si grands. Hein. C'est moi qui avais mal regardé. Ils sont très très beaux, mais du coup, voilà. On n'a pas la même utilisation que prévu. Mais c'est pas grave, regardez. Voilà, je vais faire une petite chose comme ça. Donc, hop, je prends mon scotch de masquage qui vient de chez Action. Alors, il est très très vieux. Hein. Hop. Ça, c'est tout du matériel qu'on a à investir au début, mais qui dure, heureusement. Donc, je vais prendre le Festive Berry que je trouve très joli. Mon papier brouillon. Hop. Ouais, bah non, je vais prendre une brosse propre, hein, tant qu'à faire. Enfin, je garde mon papier brouillon. Hop. J'entendais du bruit, non, c'est Lila. Tout va bien. Hop, donc, oui, vous êtes bien dans le champ. Voilà, je garde mon petit brouillon pour estomper quand même un petit peu. Oui, j'en ai mis pas mal là. Hop. Donc, l'idée, c'est d'en mettre quand même pour que ça se voit, bien évidemment. Hop, mais je voudrais faire un tamponnage par-dessus, donc il faut que celui-là se voit aussi. C'est pour ça que j'appuie pas trop trop hop, sur ma brosse. Ouais, bon, on le voit très très bien. Je sais. Alors, c'est joli, hein. C'est un bel effet. C'est un très bel effet. Hop, donc ça, je range ma distress. Mince. Je range ma brosse. C'est pratique d'avoir mes distress juste devant moi. Hop, parce que je les utilise quand même pas mal. Alors, ça va faire un truc comme ça et je voulais mettre un petit igloo mais du coup ça va pas se voir comme je le voulais. Ça va pas se voir comme je le voulais. Donc tant pis, on va mettre un petit tampon phrase. Alors là, pour le coup, je peux mettre de belles phrases. J'ai de la place. Hop. Donc là, je prends ma grande planche de tampon Florilège Design. Alors ouais, elle m'a coûté 20 euros. Vous voyez, mais elle va me servir tous les ans. Que la nouvelle année soit source de nouvelles perspectives, de belles aventures et d'une multitude de moments précieux. Alors, ça, je trouve ça super. J'aime bien le message.
Où est-ce que j'ai mis mes blocs acryliques déjà? Ah oui. Je ne suis pas encore habituée totalement à ma nouvelle organisation, mais ça va venir. Hop. Voilà. Bien réussir un tampon. Hop, n'oubliez pas votre petit tapis de souris ou un tapis, enfin peu importe, mais qui a, je dirais, les mêmes propriétés que le tapis de souris. Pardon. Hop, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui viennent d'arriver. Il y en a quelques-uns là. Enfin, c'est toujours plus ou moins, hein, mais hop, ça me fait plaisir de voir que il y en a qui arrivent. Hop. Et puis, je vais quand même mettre un joyeuse fête ou meilleur vœu. Ma meilleur vœu. Bien sûr. Voilà. Hop, vous voyez, moi je prends bien l'habitude de faire au fur et à mesure, je nettoie mon tampon, je remets mon... Je range correctement mon tampon, sinon, bah, vu qu'ils sont transparents, je les perds. Et comme j'ai pas une bonne vue, je les retrouve pas. Donc, je vais coller et puis je vais voir. Ou alors. Non, je colle. Et après, je vais faire des petits dots. Ah, il y a du mouvement. On va plus être tranquille. Hop. Ah bah alors, pourtant c'est pas encore la fin. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, voilà ma petite carte. Et alors, qu'est-ce que j'ai là? Tiens, je pourrais mettre des petits sequins. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je mets. Ah oui, non, c'est pas rouge. Non, ça va pas aller avec. Ça va pas aller. Je vais prendre mes dots.
Est-ce que j'ai revu tout mon rangement? Ah voilà, c'est bon. C'est nickel. Alors, c'est mes petits dots. Je crois que j'en ai des rouges. Yes. Ou des brillants. C'est sympa ça pour les fêtes. Ça peut être sympa pour les fêtes. Non, vous voulez pas un gros. Bon. Hop, pourquoi pas. Ouais, bah écoutez, voilà ma petite carte, hein, toute simple. Voilà, tout simplement. Un fond de carte, un pochoir, deux tampons, des petits dots. Voilà, c'est simple, efficace. Bah écoutez, voilà pour cette toute petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la suite. À bientôt, bisous, bye!